Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur hors-format.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes fiers d'être riches, épanouis et heureux. Aujourd'hui, un sujet très à la mode, comment se débarrasser d'un pervers narcissique. Waouh. Récemment, avec plusieurs confrères et coachs, collègues, thérapeutes et autres praticiens, nous avons tenu un atelier, un genre de workshop, et nous avons réfléchi sur, non pas les pervers narcissiques, mais les victimes des pervers narcissiques. Parce qu'on en a dans nos cabinets, mais les pervers eux-mêmes, on ne les voit pas. Et on a réfléchi autour de ça et on s'est aperçu d'une chose, c'est que toutes les victimes de pervers narcissiques, en tout cas ceux que nous avons eu à traiter, ça fait beaucoup, hein, ont trois points communs. La première caractéristique, c'est que ce sont des personnes qui ont des qualités humaines absolument largement au-dessus de la moyenne nationale, on va dire. Le deuxième point commun, c'est que parmi ces qualités, ces personnes ont un talent. Mais quand je dis un talent, je dis en fait un génie particulier dans un domaine de leur vie. Ça peut être au niveau artistique, ça peut être au niveau technique, ça peut être au niveau commercial, ça peut être au niveau manuel, ça peut être au niveau sportif. Mais en tout cas, ces personnes-là ont un génie, mais un vrai génie. C'est pas des gens qui sont bons, ce sont des gens... C'est même pas des gens qui sont excellents. Ce sont vraiment des gens géniaux dans leur domaine chacun. La troisième caractéristique, c'est que ces personnes-là refusent ce génie-là. Ce sont des personnes qui ne sont pas du tout conscientes finalement d'elles-mêmes, j'ai envie de dire, et qui vraiment refusent, en tout cas de prendre la responsabilité de ce génie-là. Et c'est là où en fait on s'est aperçu que le truc fonctionnait parfaitement bien. L'externalisation de causalité, pour employer un grand mot, en français court on appelle ça une névrose. La névrose finalement de mépris de soi trouve une réponse absolument pure et parfaite dans justement la perversion narcissique. J'ai un confrère qui dit, quand vous n'assumez pas la responsabilité d'un domaine de votre vie, vous allez trouver automatiquement une autorité extérieure qui viendra la gérer. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que le pervers narcissique, finalement, il va arriver et il va prendre la responsabilité de ce talent-là et de ce génie-là. Et il va même l'exacerber d'un côté. Et de l'autre côté, il va en fait véritablement miner, du coup, la personne même, sa victime. Et c'est là que la mécanique, finalement, est assez géniale, en fait. Vous avez quelqu'un qui a un talent et qui refuse d'en prendre la responsabilité, donc qui le met à l'extérieur de lui. C'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre, ou c'est la vie, c'est machin, je sais pas, mais enfin, c'est pas moi. Et donc, du coup, vous avez quelqu'un qui arrivera et qui va assumer cette responsabilité-là, en fait, c'est moi, et va même exacerber, en fait, ce talent-là, et dans le même temps, va miner la personne même, en fait. Jusqu'au point où, et ça, c'est la phrase que toutes les personnes qu'on a accompagnées ont entendu un jour ou l'autre, « Toute façon, sans moi, tu n'es rien ». C'est une expérience, on voit bien, hein, c'est une illustration, j'ai envie de dire, que l'expérience arrive toujours après la pensée. Parce que ces personnes-là ont d'abord elles-mêmes pensé qu'elles n'étaient rien sans quelqu'un d'autre, puisqu'elles ne reconnaissaient pas leur génie. Et donc, du coup, quelqu'un d'autre est venu pour dire « Mais effectivement, ma cocotte, tu as tout à fait raison, c'est grâce à moi que tu es quelqu'un et que sans moi, tu n'es rien. » Alors, en général, ces histoires se terminent relativement douloureusement, ça peut même finir très mal, mais l'expérience est assez marrante parce qu'en fait, la véritable façon de se débarrasser d'un pervers narcissique, au-delà de toute la littérature qu'on a pu voir depuis à peu près 2 ans sur ça, parce que c'est le truc vraiment très à la mode, je ne sais pas pourquoi, la véritable façon de s'en débarrasser, c'est de retrouver l'estime de soi-même. Je ne dis pas avoir confiance en soi, je dis retrouver l'estime de soi-même et prendre la responsabilité de ses qualités, de son talent, de son génie. Et quand je vous dis que c'est vraiment la chose qui fonctionne,
et pas des techniques de je ne sais pas quoi, détecter, gérer, parler, se débarrasser d'eux. Enfin, vous avez certainement lu un tas de littérature là-dessus. Quand je vous dis que c'est la technique qui fonctionne, de retrouver effectivement son estime, un collègue m'a fait part d'une expérience qu'il a eue avec quelqu'un qui suivait. Alors, c'est un divorce extrêmement douloureux, parce que effectivement, j'ai oublié de vous dire, souvent la victime du pervers narcissique trouve le moyen de faire de son bourreau son compagne ou son compagnon ou sa compagne, c'est tellement plus simple comme ça. Et donc, il était question, dans ce cas-là, de divorce, alors, avec pertes et fracas, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Et tout d'un coup, après un travail quand même un peu long que cette personne a fait véritablement sur elle et sur l'estime d'elle-même, eh bien, figurez-vous que, alors c'est un homme en plus, la partie adverse, comme on dit, a complètement disparu. Mais du jour au lendemain, la compagne a disparu. Elle n'était plus intéressée par la maison, elle n'était plus intéressée par l'argent, elle n'était plus intéressée par la garde des enfants, elle a disparu, comme ça, tout simplement. Et ça s'explique parce qu'en fait, le seul travail qu'a fait finalement cette personne, c'était de retrouver son estime d'elle-même, c'était d'embrasser la responsabilité pleine, entière et totale de son génie. Et du coup, le schéma finalement de la perversion est complètement cassé. Donc du coup, l'autre, il s'en va. Il n'a plus besoin, il n'a plus aucune prise, donc il s'en va. C'est une petite expérience que je tenais à vous partager. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un peu le sujet à la mode depuis quelque temps. Et que je vois bien que la littérature qui tourne autour de ça est déficiente, on va dire. On va dire ça comme ça, on va rester politiquement correct, pour une fois. Tiens, c'est Roméo qui le dit. Donc voilà, ça c'était ma réflexion du jour. Donc vraiment, retrouvez l'estime de vous-même et à quelque niveau que ce soit, ça vous évitera bien des bizarreries dans la vie. Ça vous évitera les cons et les personnes dangereuses, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse sur cette réflexion. Prenez le temps de consulter des personnes, des thérapeutes, des coachs, qui vous voulez, mais vraiment, il y a des centaines d'outils possibles, il y a des dizaines d'écoles qui existent, mais prenez vraiment le temps de faire cette démarche-là. D'ici là, amusez-vous bien, le plus beau est devant nous.